Stage 6 Bruce, j'ai peur. T'as peur? Et ça a l'air d'être une usine. Et moi aussi j'ai peur. Non, c'est bon, t'as arrêté. Il faut arrêter d'appuyer sur le bouton pause. Est-ce qu'il y a des codes? J'ai pas demandé. Ah oui, il y a select level. Pour arriver directement contre Shredder. Il y a des continues supplémentaires. Ah bah écoutez, voilà. On va peut-être les utiliser. Mais non, Fred, tu n'as pas besoin de code. On croit tous en toi. On va peut-être les utiliser alors. On va éviter de faire. Plusieurs loops, ça pourrait être intéressant. Au moins, je reviens. Le bouton A est très sensible. Vous avez vu déjà que tu vas perdre. Vous êtes tellement moqué des roues depuis tout à l'heure qu'ils ont changé de couleur de cheveux. C'est vraiment pas sympa pour eux, quoi. Vous avez... Non, ils ont juste vieilli en fait. C'est ça. Ils sont maintenant de blondes. Tu remarqueras qu'ils sont plus forts que les roues, ceux-là. Maintenant, ils ressemblent plus à Billy Idol. Ouais, David Bowie. C'est ça. Alors nous sommes dans une usine, je suppose que comme toutes les usines dans les Xenon, il doit avoir des pièges. Ouh là. Ah ça va. C'est des systèmes de sécurité, on appelle ça. Des lasers tueurs. Pourquoi il y a une main cybernétique dans un compresseur derrière? Une presse, une usine, bon, il manquerait plus qu'un T-800. J'ai cru que je l'avais jeté, mais c'est lui. C'est Sangoku Super Saiyan 3 qui m'a jeté. Ah, il y a encore les maîtresses. Hein. Ah, t'as entendu une cri de femme, c'est ça? En fait, c'est les managers de l'usine. Attends, laisse-la. Laisse-la à terre. Oh, il faut la prendre. Non, il faut lui faire un jardin de souplex. Tu l'approches sans la taper. Il faut la prendre, mais attends. Ah, t'es bien, franchement. Non, pas quand je le fais, moi. Hop là. Oui. Là. Et vous savez comment ça s'appelle, ça? Le jardin de souplex. Non, c'est pas un jardin de souplex, c'était un tomoyenage. Exactement, le tomoyenage. Merci, merci. Chose que tu vois rarement à la télévision, merci, parce que c'est un peu compliqué à placer, j'imagine. Ouais, en général, ils appellent ça la planchette japonaise. Ah, la planchette. C'est bizarre parce que là, c'était pas un coup de judo, c'était pas un coup de karaté, moi, quand j'ai appris ça. Non, parce que la planchette japonaise, tu mets ta. Comment s'appelle ton pied au niveau de la cuisse, là. Ben oui. Tomoyenage. Ah! Pas le German Soul. Oulalalalala. Ah, il n'y a pas de piège, hein. Non. Mais c'est pour ça qu'en fait, que Blaze fait du judo. On va déjà le défoncer, lui. Les ennemis, ouais. Peuvent se faire écraser. Attention! Oh, il y a une perspective de croque là. Ah, c'est la perspective du terrain, c'est ça? Alors vous avez vu qu'il y a quand même une petite lumière qui clignote quand la presse s'active. Arrête. Oui. Je vais me faire défoncer. Bon. Toi, tu meurs. Tu peux lancer ton attaque si tu as pas de gigot dans la caisse. Apple. Ah, on avait dit pas de marque. Bah c'est une pomme. Quelle marque? Vegetables. Tiens, reste par terre. Il y a un album des Beatles qui s'appelle Apples. Ah d'accord. Pardon. Mais où? Un peu de culture dans Que Diable. Ah oui. Ça pour écouter. Diantre, pour ça perd les popettes. Pour écouter George Michael, il y a du monde, mais les Beatles, là, il n'y a plus personne. Hein. Je t'embête. J'ai perdu une vie là. Ah oui, par contre, c'est pas le top quand les anciens boss reviennent et qu'ils... Et que c'est des ennemis lambda, tu veux dire? Ils ont mangé un KFC du poulet épicé, eux. Hein. Voilà, parce que je sentais que l'autre avec sa flamme derrière, il venait par derrière. Ça sentait le roussi là. Ça sentait le roussi. T'avais les peaux du cul. Alors, j'arrive, je vois la Carnov là. T'avais les peaux du cul qui commençaient à friser, c'est ça? Je sais pas s'ils commençaient à friser, mais en tout cas, ils allaient avoir mal. Ah! Y'a pas de dash, ça aussi qui manque un peu de pouvoir courir. Y'a pas de dash, non, c'est vrai. Pardon? Tu peux pas les soulever? Oh, ils sont trop gros. Non, ils sont trop gros, tu peux pas les soulever, oui. Tu peux pas les soulever. Alors, attention, Fred! Quand tu vas attention, à ne pas aller trop vite pour pas mettre kit. Ah, d'accord. Ouais, oui, parce qu'il a besoin de toi, Jorus, là, quand même. Oui. Ah, une belle plume d'appel. Oh, ils sont morts tous les deux. Ouf. Il est marqué continue 3. Chacun en a 3. Ah, chacun en a 3. Chacun bon, a 3 là. Mais bon, oh. Il lui met les mains où? Mais je sais pas. C'est quand même un peu. Ah, d'accord, il était là. Le truc. Il a fouillé pour savoir si elle a une arme sur lui. Tu l'as pris? T'as pris le gigot? Mais prends-le. Mais... Recule, laisse-moi le gigot. C'est le mec qui se bat pour un gigot. Il a la dalle. C'est un rôti, moi, gigot. Attention à la presse. Non, casse-toi. Fred, calme-toi, ne cède pas à la panique. Alors, je rappelle que c'est un jeu en coop à la base. Mais ils arrivent à en faire un jeu de baston. Ouais, il y a de l'argent. Ouais, mais attendez, la presse. La coop, pour moi, ça veut rien dire du coup. C'est comme les étoiles vertes. Voilà, mais tu vois, c'est ça en fait qu'on fait, si on se balance pas, je pense que c'est là où il y a les combos, comme ça qu'on doit faire les combos, tu vois. Voilà. Oui, mais là, sauf que là, tu viens de me défoncer, là. Mais non, si, si. T'as rien. Voilà, encore. T'as pas mal. Il y a un passage clouté, par contre, j'ai vu dans le vide. Oui. Il y a un passage clouté.
Oui, passage piéton quoi. C'est le passage sécurité. Si tu passes là, si parce tu que là, il t'y arrive rien. Parce que attention, parce que les flics rentrent aussi dans l'usine. Hein. Vous avez vu que la voiture roulait dans l'usine. Il y a une balle de baseball, je pense que tu as. Prends-la, moi j'en ai. J'en ai une. Mais alors, comment on utilise ça? Tu tapes avec. C'est avec B ou c'est? Parce qu'à chaque fois, B. Tu peux toujours sauter avec. Et quand tu sautes d'ailleurs, il disparaît. Et tu la récupères quand tu atterris au sol. Par contre, ils sont rapides, les amis, là, à chaque fois. Non, moral. Oui, je vais le dire à chaque fois. Tiens, toi, l'intérêt de mettre deux tapis roulants en contresens l'un de l'autre, ça aussi, c'est l'appréciation des développeurs. Là, il y a la livraison et la production. Tiens, chérie, C'est juste une. Mais pourquoi il marche alors qu'il n'y a pas de livraison aujourd'hui? Le ninja, la femme, il manquera toutes les dents. C'est fini le ninja, maintenant c'est chérie. Mais on n'est pas dans cette CIA, Fred. Moi, je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord parce que personne ne parle. Non, c'est parce que là on est concentré. Je sais pas, j'hésite entre la poivrière et la balle de baseball, j'hésite un peu quand même. Après, une caisse vide. Attention la presse. T'inquiète. Mais je suis pas avancé, non, tu passes derrière. Pardon, alors là t'as parlé trop vite. Oui, j'ai rien. Ah non, t'es blablabla. Attention, le roi, tu peux passer au travers. D'accord. On peut passer au travers, une fois qu'elle est en bas, tu peux passer. Ah, on a gagné une vie. Non, c'est Jorus qui a gagné une vie. Non, c'est moi qui ai gagné une vie, j'en sais pas. Non, tu commences à 3. Tu commences à 3. Mais c'est bon, ça va, vous avez raison. Alors, bien sûr qu'on a raison. Bien. On avance. Je crois pas qu'on va te faire confiance sur les jeux vidéo, non. Ça dépend. Sur Castlevania. Sur Castlevania, moi je fais confiance. Hé, une vie. Alors, prends-la. Là, on la prend tous les deux, prends-la. Mais non, tu as pas. Mais non, c'est pour ça. Mais c'est toi le héros de l'émission. Mais non, ça. Oui, mais enfin, tu vas voir le héros de l'émission quand il le réalisera tout seul parce qu'on aura plus de continu. Tu la presse. Oui, allez, okay. Comme si c'était pas. Est-ce que c'est pas. Ouais, t'as qu'à prendre la vie, hein. Tiens, j'ai eu. Tu as pris une deuxième attaque spéciale, tu as pris, Fred. Tu as récupéré une attaque spéciale, apparemment. C'est vrai. Ouais, t'en as deux. Allez. Non, bah, tu sais quoi, je peux pas le faire. Voilà. Si tu perds une vie, par contre, si tu perds une vie, tu redescends. Attaque, alors, tu perds ton attaque. Tu perds ton attaque spéciale en plus si tu perds une vie. Hein. Et celle que tu avais. Ah putain. Bah, tu retrouves une autre, mais. Tu redescends à une attaque spéciale. Quoi. Ah ouais, c'est traverse. Par contre, avance. Non, je peux pas, il y a la presse. Vas-y, passe. Mais merde. La logique dans les jeux vidéo. Ok, il est mal. Fais gaffe. Oh mais non. Ah il fait pas vendre un T800 ici. Mais non t'en mets pas, c'est t'as vu qu'elle met pas des coups de poing, si, Blaze, elle met des manchettes comme ça. C'est que pendant l'enregistrement que nous n'entendons pas les musiques, c'est pour ça que Fred a le casque, c'est pour ça. Et c'est pour ça que de temps en temps il nous fait une petite beatbox pour nous donner la musique. Ah, j'ai rien fait moi. Et voilà, et t'as perdu les deux. J'ai perdu ma... Les deux attaques. Non, il en a encore eu. C'est quoi? Je sais pas, mais voilà, laisse-moi. Mais non. Mais tu t'approches de moi. Mais oui, d'accord, excusez-moi, monsieur. Oh, t'approches pas, ok? Ok, je m'approche plus, d'accord. Ah, laisse-la moi. Vous avez aussi besoin d'un autre. Mauvaise femme. Il est de retour. Un jour on fera un sprite de mauvaise woman. Non, un jour on fera un Mega Man avec tous les persos qu'on a inventés. Il n'y aura que François Man, mauvaise woman. François Man. Ok. Gary Oldman. Paul Newman. On peut sous là. En plus, Paul Newman, son arme, il est contre Gary Oldman puisque c'est vieux et nouveau. C'est ça. Bon, on est à 3 vies chacune. Chacun. Il faut faire des jeux avec des filles, Fred. Allez, cache, je balance la bombe. Hein. Attention. Je suis pas attention. C'est eux les boss. Ouais, ils sont de retour. Ils sont de retour. Oui, c'est Freddy de retour. C'est Freddy. Mais ils sont un peu plus forts. Ils sont un peu plus forts. Bon, ça va. Un peu. Bon. Alors, t'attends qu'ils se relèvent. Oui, ils ont la tête de Freddy Krueger quand même. Hein. T'attends qu'ils se relèvent. Balance. Balance, man. T'as eu un peu peur. Un petit peu peur. Je t'ai vu sauter, j'ai fait. Il s'est brûlé. Par contre, ils sont passés par où la police là? Ouais, excusez-moi. Ouf! Ouais, prenez-vous-en un chacun quand même, ça. Prenez-vous-en.
Il a la technique au couteau Shinkai lui quand même. Et ça fait ouais, ça fait. Ah moi j'ai tué le mien, hein. Je tiens à dire que moi j'ai tué le mien. Oui, ça charme, il s'acharne. Bon, je vais devoir m'en occuper aussi, c'est ça? Non, non, c'est bon, bon regarde, c'est bon. Bah, il reste. Bravo. Bien joué. Bien joué. Merci. Je m'en suis pas trop mal sorti pour un beat'em up dont je n'avais jamais joué. Il nous reste deux stages. C'est ça. Donc, dernier assistant pour venir m'aider. Ah bon? Ben oui. Argol. Bon, bah allez, hein. Ah, Argol. Argol. Le syndicat du crime n'a qu'à bien se tenir. Fred est dans la place. La suite au prochain épisode. Where do we start? How about his knee? That's his face. If that's his face, what's this?